Comment tu fais pour aussi bien dormir? Arrête! T'as eu mon texto? C'est 5h42, 5h46 ou 5h48? J'ai besoin de parler, moi. Parler? Monstre, pute, salope. Je crois que t'as le syndrome de la Tourette. Tu veux pas qu'on se réconcilie? Non. Tu crois vraiment qu'il y a plus rien à sauver entre nous? Qu'est-ce que tu voulais, toi? T'étais pas déjà là hier? Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné 6 nuits de suite. Tu vas jamais tenir à ce rythme. J'ai peur qu'il me garde. Non, mais c'est pas possible. On va trouver des solutions. Puis tu peux prendre une infirmière à domicile, quelqu'un pour te faire le ménage. D'accord, moi, c'est comme si j'étais ma grand-mère, là. Vous pouvez avoir un peu de soupe, s'il vous plaît? Non, c'est pas possible, monsieur. Il y a Macron qui va parler, j'ai envie de l'entendre, c'est tout. Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron. Vous n'êtes pas non plus un martyr. Je suis pas un martyr, vous trouvez ça normal, vous, qu'on me tire dessus? Non. À votre âge, à mon âge, quoi? Pourquoi vous battez? C'est pathétique. À mon âge de quoi? Oui, vous faites chier avec mon âge. Aïe! Moi, ce que je voulais, c'était que monsieur Macron, il vienne nous voir, il nous dise, on va parler. Le problème, c'est que notre colère à nous, elle est pas légitime. C'est dans la merde aussi, non? Ouais, je suis dans la merde. J'ai mon coude qui a explosé, je vais plus pouvoir bosser et ma copine me quitte. Tu n'es pas toute seule, d'accord? Tu fais jamais attention, jamais. C'est plus possible. Est-ce que vous avez des lits disponibles? Parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde. Il n'y a plus de kétamine, vous savez où je peux en trouver là? On en a plus. Franchement, je vous admire. Hein. C'est gentil, hein. Mais vous savez, moi je pense que je vais bientôt quitter le service. Ça va un moment de donner de sa personne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail. Là, on va voir. Vous n'avez pas un mari ou... Il n'y a pas toujours des maris. Je lui pose la question, je ne sais pas.